gens ils veulent comment dire voir le meilleur joueur du monde de TFT, tu vois. Alors que là comme c'est plusieurs jeux, bah c'est pas pareil, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça retombe obviously. Ah là ouais, ça je suis d'accord, ouais ça. Ah bah, bah évidemment que ça a un super impact, ça, y a pas de... La question se pose même pas ça évidemment. Évidemment que ça a un super impact, ça. Y a même pas de question possible. C'est tellement que c'est évident quoi. Bon, soit pour dire que voilà, c'est quand même beaucoup d'investissement pour comment dire, une récompense entre guillemets très incertaine quoi, on va dire. Mais c'est vrai que ça demande tellement d'investissement. Déjà tryhard un seul jeu ça demande beaucoup d'investissement, mais tryhard autant de jeux ça demande un investissement de fou en vrai, franchement. C'est sûr hein. Après si les gens y prennent du plaisir, c'est win-win en vrai. C'est grâce à la... ouais, c'est sûr, Neymar, c'est sûr. C'est sûr, effectivement. Mais ce que je veux dire, c'est que tu perds ça un moment et après derrière, ça a tendance quand même à retomber, quoi. Normal. Hein. J'ai Leblanc. Et Kennen. Je vais avoir des golds de toute façon. Mais j'ai un coup de main de Nico qui a mangé le seum là. Pitié, pas le coup de main de Sarko quoi. Lissalko. Enfin voilà, tout ça pour dire que le raisonnement c'était de dire que c'est plus facile de percer après avoir gagné un tournoi en mode mono-jeu. Parce que les gens ils veulent te voir, surtout si tu joues populaire quoi, tu vois. Qu'un tournoi comme ça quoi, je pense. C'est trop bien ça. Mais Robin, franchement, j'ai regardé du farming simulateur pour toi, je sais pas si tu te rends compte, hein, franchement. J'ai subi ça pour toi, quoi. Pour te soutenir. Je sais pas si tu te rends compte. Hein. Pire, j'ai regardé du Valheim pour toi. Non, farming simulateur, c'était super drôle à regarder. Valheim, c'était horrible. GeoGuessr, je me suis endormi. Genre, Sleepy m'a dit, il y a GeoGuessr qui va commencer. 45 minutes après, ça va toujours pas commencer. Qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était nul à chier. Trackmania, j'ai du mal avec le jeu franchement. Donc en mode... quand c'est des courses ça va, mais la Trackmania je trouve ça horrible. Ah, regardez. Parce que c'était du... contre la montre, c'est pas fou quoi tu vois. Chicane sur Géo, j'espère bien avec le temps que t'as passé dessus, fallait bien que ça soit rentabilisé aujourd'hui. qu'est-ce que j'ai regardé encore. Oh, Warcraft 3, j'adore, donc, trop bien quoi. GG Toon d'ailleurs. Ça va, Prince. Live achievement, j'avoue. Et c'est qui ce mec en fait? Ah ouais, j'ai regardé Quake. T'étais chaud sur Quake, Robin. Franchement, sur Quake, t'étais chaud. Hein. C'est grave chaud sur Quake. Non, t'as fait un... C'est dommage, t'as fait un départ de merde et après t'as défoncé tout le monde quoi. D'accord, Robin. T'as défoncé tout le monde après, c'était incroyable. Dommage que t'as fait le pire départ, c'est trop dommage quoi. C'est sûr que mon début c'est dommage, mais au moins on a assuré le top 3 pour la qualif. Ouais, c'est ça. Je vais me la mettre dedans. La voiture du jouet. Vas-y, même. Ah, j'avoue, je regarde jamais Antoine Daniel moi. Genre vraiment j'ai jamais compris What the Cut, pourquoi ça marchait aussi bien quoi. Non mais c'est pas que j'ai pas compris tu vois, c'est pas mon humour en vrai. Genre je comprends en vrai, c'est juste c'est pas mon humour quoi. Pour le coup. Genre c'est vraiment vraiment pas mon humour. Cependant il est très sympathique. Je précise hein, avant qu'on me dise que je l'aime pas. C'est les humour, c'est très particulier quand même humour hein. C'est clair. Très particulier. Facteur un combo si Forgotten avec Warwick 3 double Seraphin QS avec Kata. Avec Lane. J'ai arrêté de lire quoi. Hyper chill, c'est tout l'inverse. Ah bah très bien, très bien. Après moi il stream des jeux qui m'intéressent pas du tout tu vois. Moi genre. Je sais que c'est pas le genre de contenu. Moi c'est vrai que. Moi sur Twitch je regarde des streamers de TFT et avant je regardais des streamers d'Hearthstone tu vois. Mais je regarde jamais des streamers multijeux tu vois. M'intéresse vraiment pas quoi. Moi je consomme Twitch
pour apprendre sur les jeux que j'aime bien, tu vois. Genre j'ai regardé les streamers Lost Centuria parce que je joue un peu à Lost Centuria, tu vois, mais... C'est vrai que je consomme pas Twitch comme du divertissement, quoi. Et c'est vrai que maintenant, moi, je regarde beaucoup les streamers top, bien sûr, maintenant. Je plaisante. Bah, c'est du contenu, voilà, du contenu qui me divertit, quoi, on peut le dire. C'est du contenu que je trouve très divertissant. Alors Sleepy, comment ça va? J'ai pris un selfie avec MV qui pleurait parce qu'on a perdu pour rendre Sleepy jaloux. Contenu qualitatif. Bah, c'est vrai que c'est un contenu qui est innovateur, quoi, c'est vrai. Moi j'aime les gens qui innovent, moi. J'aime l'innovation. Comme disait Manuel Valls, j'aime l'entreprise. J'aime l'entreprise. J'ai envie de push, mais si je perds, c'est terrible. En vrai, s'il gagne, quand il gagne sur Farming. Et j'ai vu Robin, elle est incroyable. J'étais mort de rire. Ouais, j'ai regardé la parodie de Vals, elle est incroyable. Je m'appelle Manuel Valls. Manuel. Non, mais c'est rassurant de voir que toute l'Europe pense comme moi, du coup. Ça me rassure. Ça me rassure. Manuel. Et du coup Romain, c'est quoi, tu rentres là du coup, comment tu fais quoi maintenant? Ou tu peux rester regarder là-bas? Quel niveau sur la Centuria? Je suis diamant 5 là. Maintenant je vais profiter. C'était où d'ailleurs la Zilan? Je sais pas où c'est en fait. Je sais pas où. Lyon, très bien. Ça va, c'était pas trop loin en vrai. Trop bien, je vais gagner le fight. Je pensais que j'avais perdu. J'ai petit mec à son HP du coup. Oh, allez. Ah, 7 du coup, Mega Ragnaros. J'ai enfin compris comment fonctionnaient les runes, ça y est. J'ai un pote qui m'a expliqué. En vrai, faut que je. Hey, Sleepy, vraiment. Je te jure, cette OP, vous savez que cette OP Lost Centuria, c'est la pire chose qui me soit arrivée, je crois. Parce que trop de temps sur le jeu. Quand je suis aux toilettes, je vais sur le jeu, tu sais. Entre deux plats à midi, je vais sur le jeu. Entre deux games de TFT, je vais sur le jeu. Mais ça va encore, j'y joue pas encore à la place de TFT. Oh, j'ai Varus 2, trop bien. J'y joue pas du tout à la place de TFT, ça va. Parce que bon, je connais les limites du gacha quand même. Hein. Ils vont pas me niquer à 100% quoi. Ils auront pas vos pognons, ouais, je vous le dis, moi. Ou ils l'ont déjà un petit peu eu. Mais bref, tout va bien. Oh, je suis trop hype. Il y a l'euro qui commence dans 5 jours, quoi. Et dans une semaine, on détruit les Allemands, quoi. Salaud Allemand. L'euro, ouais, l'euro de foot. Ouais, du foot, du foot, du foot. Osef, t'aimes pas le foot, c'est l'épée, tu dégoûtes, quoi. C'est vrai, la Blitzkrieg à l'envers, de 0 à la mi-temps. D'ailleurs, on les a déjà niqués à l'Euro 2016, mais bon, c'était en France. Mais là, en vrai, les Allemands, ils ont pas une grosse équipe, franchement. Free win, quoi. Moi, je veux bien les Allemands se faire sortir en poule. Et nous, on passe avec les Portugais. Les Portugos. Les pays latins unis contre les Allemands, les gars. Salut, Ravix, tu vas bien? Ah bah il faut fêter ça.
J'ai pas ça. Bah, franchement, je joue rarement Varus. Hein. Franchement, en plus, t'as pas de chance. Hein. Je joue pas très souvent Varus. J'ai pas envie de roll, mais là, vas-y, je peux pas rester comme ça quand même. Genre, ok, je peux rentrer juste une popie comme ça, si. Si, moi j'ai Varus 2, ça passe. Hein. Oh, nique sa mère, allez hop. Passe comme ça. C'est bien. Les 4 meilleurs, 3ème qui passe aussi. Donc, tu vois, la Hongrie supérieure à l'Allemagne. Non, mais après, ça veut pas dire qu'ils vont être dans les meilleurs 3ème, mec. So, je pense que les meilleurs 3ème, ils auront 3 points, globalement. Donc, oui, oui, je vois bien la. Je vois bien l'Allemagne battre la Hongrie quand même, mais bon. Les 3ème passent aussi. Les meilleurs 3ème passent, mais ça veut pas dire qu'ils vont passer. Oui, après, si, en général, ça se joue à 3 points les meilleurs 3ème. Donc, en vrai, si, je les vois bien battre les Hongrois quand même, quoi. Après, ça dépend, hein, si Orban il donne des petits cachetons à ses joueurs avant le match. Hein. Se méfier de Orban, moi je vous le dis. Se méfier de Orban. Il va tryhard. En plus, c'est du ressentiment en Hongrie-Allemagne. Moi je vous le dis. Les Varus, quel frère ce Varus quand même. 4 points vont passer. Ah, ça peut passer à 3 le cut, je pense. Pour les meilleurs 3ème. Bon, j'ai pas fait le calcul, mais je pense qu'à 3 ça passe. C'est même mis à part que les rattrapages m'ont rattrapé. T'inquiète, moi j'ai toujours été au rattrapage à la fac. Et regarde la carrière que j'ai eue après. Si ça peut te rassurer. Hein. Si ça peut te rassurer, je suis là pour ça moi. Les yeux hors popille. Oui, 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 oui. J'avoue que tout était mieux que Poppy là en vrai. Mais j'avais la flemme de l'acheter. Bon, lui il m'éclate dans tous les cas. Trop fort lui. Il a son HP encore. Il y a Ekarim 2, Kled 2, Sèche 2. What the fuck. Mais regardez, il a Vayne 2, Ekarim 2, Kled 2, Sèche 2. J'aime pas mal Léona 2 moi. Comment il est fort lui. Moi j'ai lu Zwarus 2, lui il a tout level 2. Et il a 50 gold. Bon, moi aussi tu me diras, mais bon. Alors. J'ai un entretien d'embauche demain à 8h30. C'est pour quel taf? Fais-moi rêver. Plutôt ceinture normale. Hein. En IA. Très bien. Tu sais que je fasse ma tier list, Lornik, moi aussi. Non mais je ferai ma tier list le jour où j'aurai un meilleur niveau sur le jeu. Mais les gens étaient gentils avec moi. Je sais plus qui m'a mis en correct dans sa tier list. Les plus m'ont mis en caster. Et y'en a qui m'a mis en correct, franchement j'étais content. Je sais plus qui c'est qui m'a mis en correct. C'est peut-être les Didier et Volta, je crois. Qui m'ont mis dans les corrects. Je sais plus qui c'est. Ils m'ont mis en caster, je crois. Je sais plus. Ouais, j'avoue, je les ai pas trop regardés. Mais j'aime bien les tier list, moi j'adore ça, moi. Après, le pire, c'est dans les retraités, je crois. Ils ont mis toutes dans les retraités à chaque fois, quasiment. C'est vrai qu'ils jouent pas à TFT en ce moment. Oula, 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 putain. Bon, il a zéro thune, j'avoue. On a des thunes. Thune le pauvre. En même temps, il joue pas beaucoup, tout, non, franchement. Le pire, c'est de jouer et d'être dans les retraités. Oui, c'est vrai, c'est ce que je me suis dit. Le pire, c'est ceux qui jouent et qui sont dans les retraités. Alors qu'ils sont pas retraités. C'est ce que je me suis dit. Tu tryhard d'être retraité. Mourir non? Ah mais j'ai du mal sur ce patch là, putain. Enfin sur ce set. J'ai grave du mal à monter. Alors que franchement j'ai toujours monté de chal facilement au moins au début quoi tu vois. Au moins quand je tryhardais quoi tu vois. Et vraiment il est dur ce patch, ce set. Super dur je trouve. De vacances. Bon non, juste le week-end.
Je reviens demain. Comme il y avait les Robins qui streamaient la Zedlad et que je streamais que dimanche, je me suis dit vas-y. Fais un petit tour à Tonon. Tonon City. Faudrait plus d'upgrade hein, pour aller au 7 là je pense. Et la petite armure là. C'était des gold dans la box, gold. Mais du coup j'ai plein de thunes maintenant. Bon ok, là je suis obligé d'aller au... Je suis obligé d'aller au 8 là en vrai je pense hein. Je passe au 8 au prochain fight hein. Oui moi je le trouve bien le 7 hein, franchement hein. Ah non RMX désolé je peux pas faire ça. Bien tenté. Qu'est-ce que je voulais dire? Si c'est pas lui, c'est vrai qu'ils n'ont pas passé les poules. Si 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 ils ont fait 8ème de finale mais dans tout cas y a... là, aujourd'hui c'est les demi-finales, aujourd'hui ils sont morts en 8ème. Mais je crois qu'il y a que Zerator qui stream aujourd'hui, dans tous les cas. Je crois que personne stream à part Zerator. Si je ne m'abuse. Bon là je vais me faire éclater mais c'est normal hein. C'est un mec qui a énormément roll au 7, si j'arrive à tuer Nulu c'est cool. Est-ce que Varus il peut faire du clutch là? Ah il s'est fait stun par la Raven trop deg. Oh il est... il a tout ce Varus. Franchement il a tout. Allez nique le 7. Ah il faut que c'est pas le 7 ce con. Oh il a tout ce Varus. Oh pff, il a tout, c'est du jamais vu. Ce Varus c'est du jamais vu. C'est du jamais vu ce Varus mesdames messieurs. C'est toi que je suis accro à la centurie à cause de toi. Ah on est d'accord hein. Non mais pour ma défense moi aussi. On est d'accord qu'il est, il est dangereux ce jeu hein. Je suis content de voir qu'on est tous dans le même bateau les gars. Un peu plaisir. J'ai une triple maudite ou pas? Je crois pas. Hein. Je pense pas. Je pense pas. Bon, j'ai pas encore trouvé Kayle. On a eu Viego pour l'instant. Et après, il faudrait trouver Karen ou Darius aussi. Kayle ou Darius, c'est Cyrilim. Non, je joue pas Cyrilim. Cyrilim, c'est mort si t'as pas une Spatrilim. Par contre, si t'as une Spatrilim, Cyrilim, c'est vraiment très bien par contre. Mais sans Spatrilim, vaut mieux jouer que 3 Redeemed. Et après, avec, tu joues 4 Chevaliers, peut-être 2 Mystiques. Tu vois, tu t'adaptes un petit peu quoi. Mais là, on est pas mal en vrai là. Je me demande si on veut pas go 9 en fait. Kurt Wagi, qu'est-ce que tu veux dire? Je très bien qui sait. Mais je comprends pas où tu vas en venir là. Pour le coup. Salut Oxay, tu vas bien? Mais oui, non, franchement, ne téléchargez pas le Centuria. Si vous voulez pas passer 4 heures par jour sur un gacha quoi. Trop level 1 en fait. Ouais, je suis pas go 9 à cause de level 1, mais je gagne quand même. Bah, trop level 1 en fait, tout est level 1 en fait. Ça va pas l'air de poser problème pour l'instant. Achète la place de Vayne. À place de. À place de. En fait, je peux pas avoir Mystique là. Et Rodeur quoi. Mais ça va peut-être que Rodeur est un poil mieux que Mystique pour l'instant. Potentiellement. Probable même. Après là, franchement, on est pas mal. Hein. C'est un bon petit setup ça, les amis. C'est un bon petit setup. Tu vois, avec tout level 1, ça passe bien. Après, je pense que voilà, le level 9, j'y crois pas trop là. Alors, j'aurais 50 gold à ce moment-là, mais. T'as pas Rodeur? Ouais, mais on s'en fout un peu de Rodeur, non? Enfin, Rodeur 2, c'est weak quoi. Fin du dream. Faut une Warmog, trop fort. Moi je veux de la, je veux de la tankiness là, pour la frontline.
putain, je suis un trou du cul. Merci Moshi, la Golo Golo. Plutôt les Golo ont la Gaule plutôt. Merci beaucoup. Les Golo ont la Gaule, les amis. J'aimerais avoir. Il faudrait Garen à la place de ça. Ouais, en fait, il faut Garen à la place de Léona, mais je veux parole là, de toute façon, je pense. Enfin, je l'ai trouvé quoi. Mais en vrai, ils vont renerf Kayle au prochain patch. Je comprends pourquoi ils la nerfent en vrai. C'est que. Ça, pour moi, c'est l'impression qu'il gère beaucoup de frustration. Une fois qu'il est setup, il est almighty le perso, c'est du jamais vu quoi. Le perso, il faut reconnaître qu'il est quand même problématique pour le jeu en vrai. Je vois très bien qu'est-ce qu'il reproche au perso quoi. Genre. Moi j'adore le concept du perso, je trouve que le perso est trop cool. Et je vois exactement ce qu'il lui reproche d'ailleurs. Honnêtement. Mais j'adore ce perso, j'adore Kayle, je trouve trop cool. Mais c'est vraiment fort quoi, franchement. Mais d'un autre côté ça peut être très nul aussi. C'est très situationnel je dirais comme personnage. Bon, on est bien là. Il y a rien qui bouge là. Blanc sur rouge, rien ne bouge. Bon, en vrai, j'ai que une upgrade toujours. Hein. J'ai que un, mais c'est réel, ça va. J'ai réel 2, c'est bien. Et bon, le lobby m'a pas l'air très vénère quand même. Quand quelqu'un sert un jeu ça, quand t'arrives à 20 secondes de fight, parce qu'en gros, toutes les 5 secondes. Vous voyez, elle gagne une petite barre toutes les secondes. Donc toutes les 5 secondes, elle ascende. Et au bout de 20 secondes, donc au bout de 4 fois qu'elle a, tu vois, là, c'est 3 là, hop, et là, elle va faire encore 5 secondes. 2, 3, 4 et 5. Et là, elle acquiert la compétence ultime. Bon, le mec était mort sans ça, mais bon. Enfin, pour moi, Kayle, c'est avoir un seul perso qui fait des dégâts. Ah bah, c'est ça, c'est le problème, évidemment. C'est pour ça que je vais à Evian. C'est normal, je suis né à Evian en plus. Ce serait le défaut de Kayle s'il fallait en citer un, c'est que bah, c'est solo carry quoi. J'adore, moi je l'aime bien quand même. Hein. J'aime bien ce perso. Mais je comprends le nerf de Kayle parce qu'une fois que c'est setup, bah, je trouve ça vraiment almighty globalement. J'ai Gangan, pas mal hein. De toute façon là je lâche pas de rôle, c'est mort hein. Oh là quel frère Solarius quoi. Lâche aucun rôle à mon avis là. Même si j'ai que 1 level 1. Ça manque juste de contre. Ouais. Après tu vois, le truc c'est que Vel'Koz c'était fort contre Kayle. Parce que tu plaçais Vel'Koz sur Kayle et comme elle a peu de PV, bah Vel'Koz pouvait la one shot mais bon. Oh Darius, quel frère quoi. Quel bros Darius. Ah merde, en vrai la parole castée se fait manger par Nulu, mais c'est pas grave, tu vois, Kayle fait beaucoup de dégâts de base avec ce stuff. Hein. Genre tu vois, avant d'ascendre, elle est en train de défoncer, elle a défoncé la Riven là, voilà, ça y est. Après le lobby il est weak hein, putain. Nerf Kayle, on sait ce qu'il en est, il la passe à 300 HP. Non on sait pas, j'ai fait des sur le PBE j'avoue. Ouais Kayle c'est qu'elle reste voir le blanc, c'est ça. Mais le truc c'est qu'ils vont aussi défoncer Assassin. A raison je trouve quand même hein. A raison. C'est normal, c'est trop fort. Timo 2. Mec il a acheté plein de Timo, il était genre. Il était 3ème, il a acheté 3 Timo, il a acheté 2 Timo je pense, il est passé à 17 HP avant dernier. Quand j'ai l'immunité, la compétence, c'est 3ème ascension, attaque. D'accord ouais, il nerf l'immunité de Kayle quoi. C'est un peu comme quand on retire son immunité parlementaire à Balkany quoi. C'est un peu le même genre de nerf quoi. Patrick, les juges sont des méchants. T'inquiète, Patrick, personne ne les entend. De toute façon, je ferai une vidéo sur le patch, Marley. Évidemment. Non, mais là, à partir du prochain patch, il faut qu'on fasse du gros tryhard là. Il faut plus que. Voilà. Il faut qu'on arrive à maîtriser le prochain patch là. C'est pas une option, il faut qu'on soit super bon sur le prochain patch là.
C'est pas une option possible. Il faut qu'on soit super fort les amis. Y a pas de débat, y a pas d'option quoi. Il faut qu'on soit à la pointe de la méta quoi. Quelle ardilité. Nice. Bon, est-ce qu'on parle du fait que je n'avais, jusqu'à ce rise, j'avais que un seul perso level 2 dans ma compo quand même hein. J'avais que un seul perso level 2 dans ma compo quand même. Donc bon. Je sais pas, non ils vont pas acheter une nouvelle boutique sur le prochain bâtissier. Ils ont dit ou pas s'ils allaient mettre la boutique avec, enfin la nouvelle forge avec les items complets et tout. Ils vont le faire ou pas? Ou c'était que pour tester sur le PVE mais ça va pas sortir. Ils vont pas le sortir quand même ces bâtards. Moi j'y crois pas moi. Putain le Nunu qui bouffe ma Kayle. Saloperie de Nunu quoi, meurt. Hey Kayle. Comment c'est broken en vrai. Pff, regardez ce que je lui mets quoi. Regardez ce que je lui ai mis. Incroyable. Bonjour YouTube hein. D'ailleurs j'ai une question pour le chat et pour YouTube si je mets la vidéo sur YouTube parce qu'elle est trop bien cette vidéo. Cette game. À votre avis si je... Si je mets une caméra sur le poisson dans l'aquarium chez moi et que je mets le poisson dans la catégorie hot tub avec des petites animations genre... à chaque fois que les gens offrent des subs, je nourris le poisson tu vois. Ou genre je fais passer le poisson dans un cerceau. Est-ce qu'à votre avis ça peut être le buzz ultime? Et la richesse grâce à ça à votre avis? Genre je dis... tous les 5 subs, le poisson passe dans un cerceau, tu vois. Parce que je lui ai pris à passer dans un cerceau. Après, vas-y, c'est un bâtard, des fois il veut pas le faire, des fois. Moi je pense qu'il y a un vrai business à faire autour du poisson, moi je pense. On sous-estime le poisson, à mon avis. J'ai vu ce débat, c'est oui. Ah, mais je vais demander à YouTube aussi, parce que là, je vais mettre la vidéo sur YouTube, je pense. Surtout si j'ai kill 2. Qu'est-ce que je veux rentrer là? Pas rentrer Forgotten, on s'en branle, non? C'est le plus important, ça, j'ai envie de dire ça. Trop fort ma compo là. Ok bah je note, je note. Très bien. Quel a besoin le plus de travail? Donc Kayle est pas nerf ou Kayle est nerfé du coup? Il est une bête de foire. Pas du tout, il a pas conscience qu'il est filmé, ça va. Il a pas conscience qu'on le filme. Il a pas conscience. Et il est content, c'est des poissons qui ont besoin de s'occuper, ils se font chier sinon. C'est pas mal, c'est trop intéressant. Ok, je le fais passer dans un cerceau si vous voulez quoi. Faut que ton poisson accepte de signer le droit à l'image. Écoutez, je tenterai ça. Je vais tenter l'opération poisson. Napoléon le poisson. En plus, il s'appelle Napoléon, c'est trop bien quoi, tu vois. Il faut juste faire des émotes avec le poisson. Genre, tu fais juste une émote Napoléon avec son petit chapeau. Et je lui crée sa chaîne Twitch. Ça va être incroyable quoi. Salut Maïr. La blague du poisson rouge. C'est quoi la blague du poisson rouge? C'est qu'il l'a déjà oublié, c'est ça? Excellent, Slippy, excellent. Bon, comme il a Katarina 1 avec un stuff de merde et juste une Leblanc 2. Katarina 2, pardon. Je devrais peut-être pouvoir gagner, même si ma Kayle, quand même, là. En enfer quoi. C'est tellement fort Leblanc contre ma compo. Oh. Vous voyez, même si lui il a le pire setup de l'univers, il m'éclate quoi. Alors vraiment, il a le pire setup de l'univers quoi, franchement. C'est le gros counter ça. Mais je suis content, ils vont détruire Leblanc parce que Leblanc c'était insup comme perso quoi, franchement. Supportable quoi. Je vais rentrer Kindred là pour protéger la famille quoi. Oh, Ironclad. Oh, c'est génial, j'ai 3 Ironclad. Bon, il n'y a plus que des dégâts magiques, du coup c'est de la merde mais. Mais ça aurait été génial sinon quoi. Sinon ça aurait été génial sinon pour le coup. Ça sent ça marcher dans son. Non je peux pas tèche Nautilus parce que je jouais 4 Knight dans tous les cas. Mais oui, je pense qu'il faudrait jouer 4 mystiques en vrai. Ce serait très bien en vrai, je pense.
Mon Shroud il est incroyable. Comment je passe tranquillement en 4 mystiques là dans cette game? Après je pourrais enlever le 4 knight en soi hein. Ah c'est chier quand même, c'est pas... Après 3 mystiques et 4 knight c'est peut-être mieux que... Parce que 4 knight ça tank aussi des dégâts magiques les knights hein, faut pas l'oublier ça. Et 4 knight c'est quand même fort hein. Ouais je sais pas. Bon lui je l'éclate hein. En fait c'est surtout l'assassin hein. Mais l'assassin 4 mystiques c'est bien contre le blanc et Kata. Après 3 Ironclad comme il a un Nocturne full stuff c'est quand même bien aussi hein. C'est ça hein. N'oublions pas qu'il a un Nocturne full stuff si je ne m'abuse hein. Oui oui il a un Nocturne full stuff. C'est limite Nocturne qui est le plus dérangeant au final. Et je ne m'abuse jamais. Enfin, t'as vu sa Garen dans cette compo? Non je peux pas Garen. Mais j'ai vu 0 Garen. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question de manière efficace? J'espère. C'était le but. C'était le but du jeu. Mais il faut que je fasse un pack en vrai à cause de l'assassin. Après je vais taguer lui là je pense. Yep. Alors normalement ce fight là il est free. Parce qu'il est pas censé tuer ma team assez rapidement en fait lui. Donc comme il arrive à Kayle en dernier, normalement avec Kayle elle va le détruire normalement là. Après il a quand même un double Titan Body sur Ikarim. Donc en fait Ikarim va one shot n'importe qui dans ma team quoi. Oh il y avait l'ulti de Kinda. Oh putain oh, regardez les Karim. Il va faire un 6k dégâts là quand il va ulti. Voilà il a autre chose que quelqu'un évidemment. Putain mais Ake il est au corps à corps c'est la merde non. Elle a sente ça y est. Ouais mais le problème c'est qu'elle est au corps à corps. Tu vois là, le problème c'est qu'elle l'aurait pas lu sur focus si vite quoi tu vois. Mais c'est vrai qu'il faut que je pense au Thresh en fait. Mettre la Lux peut-être ici en corner hein. Parce que là je perds vraiment à cause du Thresh. Putain ce Ikarim c'est l'enfer quoi. C'est un enfer son Ikarim. Bon l'assassin s'est fait fumer par qui? Ok j'ai fumé l'assassin mais genre je l'ai démonté quoi. Mais lui il m'a démonté mais normalement je pense que je suis bien quoi. En théorie. Vous savez la théorie hein. Théorie la pratique. Théorie. Il y a un monde hein. Bon c'est pas comme ça hein. C'est comme ça que j'ai fait les top 5 avec Kayle 2. Ah, genre, ça fait hook. Kayle, c'est une petite chose fragile. Hein, Kayle. Ah, oui, il y a Katarina 3 à l'autre. Évidemment, il a eu le temps de la swap, évidemment. Ah, je suis deg. Ah, mais la Katarina, ça va être trop chiant pour Kayle, non? Bon, j'ai... Ah, mais genre, ils sont tous sur ma Kayle déjà là. Kayle perd son GL, le problème c'est qu'il reste encore 10 secondes avant qu'elle puisse ascendre là. Allez, shield-toi. Ok, c'est bon, c'est win. Nice. Et l'autre qui perd aussi contre l'assassin. Très bien. Franchement, ça se met bien là. Ça se goupille bien tout ça. Ça se goupille très bien pour nous, mes chers amis. Ça va être le top 1 ça. On va renouer un peu avec la victoire parce que les scores d'aujourd'hui n'étaient pas très rassurants. C'est le moins qu'on puisse dire, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Moi, j'aime bien le cœur gelé. J'aime surtout ne pas laisser le cœur gelé à l'assassin, surtout. Est-ce que ce serait macro du coup maintenant que l'autre il a. Je crois que c'est cœur gelé sur Ryze. Parce que surtout l'assassin qui me fait peur en vrai, hein, perso. L'autre me fait beaucoup moins peur. Je dois les upgrade hein, dans cette game. Hein. Est-ce que je vais garder sur Writer là. Genre, l'assassin. Ouais, je pense que. En fait, je pense que dans la vraie vie, je défonce les deux, je pense. Mais bon. Peut-être bouger comme ça là. Bon, là, partant du principe qu'on tag plutôt l'autre. Vu qu'on vient de taguer l'assassin. Il paye, il va bouger par là, je suis sûr. C'est un traître. Et ils sont très chez là, donc là normalement on est safe en vrai. Normalement je suis super bien là. Très joué, la Lux ou la Kindred. Kindred, très bien. Oula, par contre, Rel s'est fait. Oh, c'est bon, Rel se heal. Rel, stun. Ok, Rel qui stun et Karim, trop bien. Tu vois, j'ai défoncé. Et l'assassin est tombé sur. L'assassin défonce l'autre par contre, donc on va se retaper l'assassin nous après. Parce que lui il meurt là, ça y est, voilà, ça y est, hop, on a Kayle qui est en train de péter son câble là. Regardez. Faut regarder la Titan du Karim, c'est trop marrant. Ah, j'avais le fantôme, ouais, comme prévu. Ok, nice. Donc là maintenant, on sait pour qui on doit se placer. C'est quand même un avantage très avantageux.
suis bien. Est-ce que je suis. Ah bah, du coup, je peux la corner maintenant en vrai. Est-ce que je suis bien bunkerisé là ou pas? Le problème, c'est que là, il y a le Viego qui va tuer Malux direct en fait, ce chien. Putain, elle s'est pris un ulti de Kata et un coup de nocturne et elle est morte quoi, Kayle. Le problème, c'est que Kayle va se faire défoncer par Kata là. Allez, vas-y. Putain, elle est quasiment morte la Kata. Kata. Ok, Kata est morte, c'est bon. C'est win, je pense. Kata, c'est vraiment la menace, hein. C'est Max. Max la menace. GG! Nice! Bon, on renoue avec la victoire, ça y est. C'est bien.